Il allait chercher un bouton pour mettre la suie. Il m'attendait quoi, puis il passe chez moi. Il m'attendait quoi? À quoi les 10 000 francs? S'il fait ça même, je lui donne, il ne va pas donner, il n'a pas l'argent. S'il fait ça là, s'il fait ça là, à quoi il arrive, passe-moi, s'il fait ça, je lui donne à sa surprise, je lui, ça ne sort plus dans la causerie, c'est compliqué. Il ne peut pas te donner, c'est un menteur et sorcier, c'est un diable du vol. Ne marchez pas avec des potes. Vous êtes avec quelqu'un, quand on vous annonce un projet, vous êtes une personne, regardez comment la personne l'apprécie. Et il le dit seulement. Souvent que la personne ne vous encourage pas, commencez déjà à vous méfier de la personne. Commencez déjà à vous méfier de la personne. Que la personne ne se désintéresse pas à la chose, commencez à vous méfier. Parce que tu dois marcher avec celui qui doit me dire je vais réussir dans la vie. Je dois marcher avec celui qui doit m'encourager, pas celui qui va me décourager. Il y a quelqu'un qui vous décourage toujours. Ah non, laisse ça, ça va venir. Et puis tu l'envoies au maquis, il mange à moi. Il mange. Il voit grosse vieille, il voit brrr. Allons faire le show. Oh, là, ça fait des maisons là. Tu vas à ma maison là. Oui, ça fait des maisons là. Allons dans tel point. Et tu le suis. C'est Judas. Celui qui va te demander demain à celui. Elle sort d'Abrou. Elle du gris, du local. Il est pété. Amen. Il y a une 17 là. 17 là. L'ennemi n'est pas loin. Celui qui doit te livrer n'est pas loin. Il rentrera dans ton. Il fera tout, frère. Il fera tout pour rentrer dans ton intimité. Il fera tout pour gagner ton estime. Il fera tout, même sur tes pieds. Il fera tout pour ça. Juste pour gagner ton estime. Et puis là, te détruire. Il ne va jamais t'encourager à faire un projet. Ou s'il est dans le projet, lui gâte. Tu lui donnes l'argent, tu vois que c'est parti sans rien faire. Tu es étonné. Tu as fait quoi l'argent? Les calculs arabes, ils rentrent ici, ton cerveau va exploser. Tu dis, c'est d'avoir un VC. Ben, tu dis, il m'a envoyé où, mais j'ai payé tant. Comme toi, ton cerveau est mélangé. Ben, tu as fait comment? C'est le seul qu'au pays, c'est le seul. Oh, c'est ça le danger. J'ai fait comment là? C'est ça le danger. Il est en train de te détruire. Amen. Tu dois te séparer. La Bible dit, si ton bras gauche est pour toi l'occasion de suivre, il faut couper ça. Lui qui tu sens que la personne n'est plus à toi, c'est pas toi la personne. Dégage! Allez, dégage ma vie! Amen. On a un bilan en fait devant le Seigneur nos jours. Chacun d'entre nous rendra compte. Tu es né, je suis né, chacun cherche à entrer dans sa destinée. C'est pas moi qui t'ai venu en bruit. Il y a des gens qui rentrent dans vos vies pour vous détruire, détourner votre destinée, vous détruire. Il faut savoir marcher. L'heure de Judas n'est pas loin. Il te regarde. Quand tu as quelque chose, ça l'énerve. Il n'apprécie pas, il ne sait pas apprécier les choses. Amen. C'est ces mêmes personnes-là. Elles seront toujours contentes avec ceux qui vous combattent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ça, moi, je ne vais pas confier à quelqu'un sans vous. Il y a des gens qui m'ont aidé, on allait à Paris. Je ne les avais pas vus à ma boule. Même timbre, on ne m'a pas donné. Je ne les avais pas vus. Pour ça, je suis très prudent. Je suis très, très prudent. Amen. Quand quelqu'un t'aime, il te le démontre. L'amour sans les œuvres, c'est pas possible. Elle est morte. Je n'ai pas vu quelqu'un qui dit qu'il aime sa femme, il ne peut pas pour moi, il ne peut pas payer. Ça va partir. Hein? Ça va partir. Je ne sais pas si je mange. Hein? Combien? Chérie, je t'aime. Mais tu ne demandes pas ça. Ça doit t'accompagner. Ceux qui m'aiment, tu dois être à mesure de me protéger. Regardez les femmes. Les femmes, au moment où Jésus a livré, ils ont livré Jésus. Regardez les femmes. Elles sont liées. Même dans la mort. Vous savez, même quand quelqu'un apprend que tu as peut-être chuté, tombé, il te soutient. C'est son bon ami, ça. Il dit, lui, là, je crois en lui. Ça arrivait, hein. Mais c'est que lui, là, il peut devenir quelqu'un. Je ne vais pas le laisser. Les femmes ont dit, non, elles sont bien là. Au moment où les gens se cachaient, elles sont bien. Dans le monde difficile, ceux qui nous soutiennent, ils sont là. Ils sont très rares. L'heure de Judas. Il est là, et tu regardes. Il cherche pour lui, c'est pas toi qui l'intéresse. Quand quelqu'un avec toi, il doit t'accompagner. Il doit t'aider à avancer. Et lui, c'est pour lui qui l'intéresse. Et pour moi, tu as construit une maison avec lui.
On allait payer Simon. Où est pour moi? Est-ce que dans le budget, il y a pour toi des cœurs? Budget de maison, là, il y a pour toi. Ah, il faut donner pour moi. Je marchais, toi, dans le camion, on allait demander pain, on allait demander faire. Dans le budget, dès que tu as fait un petit budget, tu as conçu une maison, il veut manger dedans. Il faut te méfier de lui. Il ne faut pas prendre, c'est un salaud. Un démon, un diable qui va te manger demain. Tu fais mon budget. Tu m'as combien il y a de payer? C'est-à-dire que toi, tu me suis à cause de ça. Amen. Tu n'es pas bon ami. Amen. Amen. Moi, je dis, tiens, non, ah, je suis venu. Je viens, tu es mon frère. Il faut garder ton argent. Je suis venu t'aider. Tu as quoi pu me donner ça? Quand tu as construit la maison, en finale, la maison, c'est ton bois. Ami. Amen. Il est ton bois. Et, mais, tu as acheté. On a fait le tour des magasins. Comment est-ce que t'as acheté pour Junior, t'as acheté pour ta femme, t'as acheté. Comment c'est? Non, c'est-à-dire, non, c'est pas là, c'est-à-dire que c'est vous. C'est pas vous, amen. Amen. Il n'apprécie pas, lui, il est là pour ses intérêts. Et ces gens-là sont dans vos vies. Ayez le discernement. Amen. Ayez le discernement. Ne marchez pas n'importe qui. Jésus dit, celui. Il y a quelqu'un qui va me trahir. Judas était déjà là. Mais Judas a mis son plan en marche. Pendant que l'autre met ton plan de développement, eux mettent leur plan de destruction en marche. Ils mettent le plan en marche. Pendant que tu fais un pas, lui fait deux pas pour te détruire. Il s'est dit non, demain, c'est que je vais l'attraper. Je vais le maîtriser et puis le détruire. Amen. Vous n'êtes pas les mêmes moyens de voir les choses. C'est pour ça que vous avez le discernement. Si vous marchez avec n'importe qui, vous serez n'importe quoi. Quand quelqu'un parle, je le couche jusqu'à. Moi, j'ai deux manières de voir les gens. Quel acte tu poses? Tu apparais là, tu as fait quoi? Faut pas que ça s'arrête dans la parole. Amen. Si vous voulez réussir dans la vie, c'est ça qu'il est blanc, que l'on fait la chasse aux sorciers là. Et il couche pas, il n'est pas. Moi, blanc, je les dépasse dans mon truc. Il n'a pas mon temps. Si lui me dit bonjour, ou il me dit pas bonjour, c'est pas son problème. Or, nous, on s'intéresse à tout. Là, il a dépassé un noir dans les escaliers. Une fois, il peut tolérer. Deuxième fois, il va t'attaquer. Vous dites, mais hey, monsieur, il y a quoi? Il y a quoi? Tu viens, tu dépasses les gens dans l'escalier. Tu es mon affaire pendant. Oh, tu n'as pas le temps. Il va te demander, oh, blanc, ça ne l'intéresse pas. Ce qui est dans sa tête, il va. Bon, j'ai tué, mais ça lui, ça a changé quoi? Si tu es tombé sur nos parents qui aiment demander de nouvelles des petits-enfants, ça va, et ton enfant, est-ce qu'il est à l'école? Il n'a pas de perdre le temps. Les gens, pas sûr. Tu ne confies pas n'importe qui. Si tu envoies un restaurant, c'est qu'il y a une affaire qui vous lie. Tu vas te profiter, il va le profiter. Ça s'arrête là. Amen. L'œil, le jus. Soyez très prudent. Amen. Ah non, c'est ma maman, je m'en fiche de ça. Ce que je dois faire, je fais. Je ne vais pas au-delà de mes moyens. Non, je ne vais pas au-delà. Tu peux me demander au-delà de mes moyens. Je ne peux pas. Ah mais j'ai toute une vie à construire demain. Oh, tu dois comprendre. Oh, celui qui ne comprend pas, il est dangereux. Il ne comprend pas la situation. Oh, il y a des gens qui ne vont jamais comprendre la situation. Tu vas vous expliquer. J'ai envoyé l'argent tel jour, c'est pour dire maintenant, j'ai pas, tu peux attendre. Non. Il faut commencer à te baisser. Commence à t'éloigner de la personne. Commence à t'éloigner de la personne. Elle ne va jamais t'aider. Oh, il y a des gens qui comprennent son patient. Est-ce qu'elle a forcément besoin de toi, ton argent? Parce que je cherche l'argent, je vais chercher pour toi. Amen. L'œil est là, l'œil, pour détruire. Judas, il maîtrisait tous les gestes de Jésus parce qu'il savait qu'un jour il allait le vendre. Vous savez, vous allez savoir qu'un jour vous allez le détruire. Vous savez, vous. Amen. Vous savez que moi, je n'avais pas moi, chez moi la justice. Non, c'est le prophète de Bible. Si je parle de mon délit, déjà. Chez moi, il m'aide dans une image. Ça m'aide beaucoup. Ça a échappé, empoisonnement. Ça va m'empêcher des trucs. Quand vous donnez l'ouverture, le tabi frappe. On permet aux gens de rentrer dans vos bureaux manger. Amen. Quand quelqu'un entre dans ta vie, il faut être sûr
et la personne ne va jamais te faire même si tu n'avais dit. Parce que Dieu t'enverra quelqu'un pour t'aider. C'est ce qu'on appelle aide. Celui qui est avec toi, on l'appelle aide. Vous savez que Dieu a créé. L'aide que Dieu a créé pour seconder l'homme, c'est aide. Aide. Vous avez dit aide. Quand quelqu'un vient dans ta vie, c'est pour t'aider. Amen. C'est comme cette autre connexion qui se crée. Et puis ça vous fait grandir. Vous voyez de la même manière. Vous marchez quelqu'un, vous ne voyez plus de la même manière. C'est plus la peine d'avancer. Amen. Ils marchaient ensemble, ils ne voyaient pas de la même manière. Judas, lui, voyait Jésus comme une marchandise. Il est sur le vent, mais c'est pas bon pour lui. Il était allé acheter des choses. Donc, les gens, et ils ne savaient pas que Judas avait des mauvaises intentions. Hein. On a bien lu la parole, non? Non. Ils ont quoi, il a dit? Lui, il a même dit. Parce qu'il dit, il va aller au ciel. Si le vent, c'est pas bon. Et le vent. Au moins, il est pris pour moi. Amen. Au moins, il a pris mon argent. Les pieds n'ont qu'à rester là. Il n'a qu'à aller à Jésus. Moi, Jésus, je vois comme une marchandise. Il le vol. Il n'a pas livré au ciel pour parler comme une case. Moi, je ne suis pas fait du ciel. Pour moi, la sortie maintenant. Là. C'est pas ça qu'il va aller. Pour moi, la sort maintenant. Et puis, il mange pour moi. Il n'a qu'à aller suivre, il n'a qu'à aller au paradis. Amen. Donc, il a dit, bon, ok. Je sais que ceux-là, si il a propos de l'argent, il ne pas composer ses ennemis. Moi, le jour où je te vois en train de rire, ceux qui sont mes amis là, je me méfie de toi déjà. Non? Parce qu'ils vont te demander, ils vont avoir toutes les informations. Quand tu l'approches, ils vont te dire, celui avec qui tu marches là-même là, vas-y, vas-y, là, c'est pas ça. Parce qu'ils savent que tu as les informations sur moi. Le jour où tu découvres que ceux qui te combattent, ton ami, celui qui marche avec toi, marche avec eux, je ris, mange bien, on commence à te méfier. Celui qui va te détruire demain. Je dois aller vers eux. Et puis, Jésus là-même là. Vous me donnez 5000 euros. On dit quand il a quitté Jésus, on dit chercher l'occasion pour voir comment le livrer. Et toi Jésus, tu n'arrêtes pas ça. Il dit pendant que nous mangeons la main de celui qui va me livrer dedans. Et puis toi, tu n'as pas bloqué la main. Moi, je sais que c'est toi. Mais tu es foutu, je ne sais pas. Ce n'est pas question de sentiments. Non, c'est-à-dire, je vais intercéder. On n'intercède pas là. Il y a des choses, ce n'est pas prière. Vous mettez tout en prière. Est-ce que Jésus a dit de prier? Jésus dit, vous chassez des démons. Démons, on ne prie pas, on les chasse. Comme c'est 2016, Harry, je vais vous montrer les différents types de prières. Vous mettez tout en prière. Non, tu vas changer ton cœur. Il ne va pas changer. Si les gens devaient changer, c'est Judas. Jésus pouvait prier pour le cœur de Judas. Il pouvait changer. Non, Jésus n'a pas changé. Il est mort après la suite. Amen. Celui qui marche avec toi, comment il regarde tes affaires? Comment il te regarde? S'il vient chez toi à la maison, puis il regarde tes affaires. T'as dit ça comment? T'as dit ça comment? Puis il regarde. Pour regarder sa tête, comment il remet sa tête? Tu vas comprendre? Amen. J'ai dit la même si les morts sont morts, tout ça. Ça ne fait pas problème. Ah, vous m'en héritage, hein? Vous ne faites pas ça. Lui qui est dans la table, il savait comment il est là. Quand il dit 500 000. Ah, tu lui as dit bonjour. Donc le président de la République, ça fait 500 000. Toi, tu te fais plaisir. Il dit, très bien, où c'est, où sont les films, c'est 500 000. Tu dis oui. Il faut dire la seconde. Quand il dit 400 000, il a déjà calculé. Ça fait 1 million. Ok. Qui l'a tué, qui est pour 500 000, c'est pas bon. Amen. Amen. Méfiez-vous de ceux qui vous fréquentent. Amen. C'est vrai qu'on est beaucoup famille. C'est ça l'Afrique. Ça nous détruit après. Ça nous détruit beaucoup. Parce qu'on fait confiance à tout le monde. On est trahi. Or la trahison fait très mal. C'est ce qu'a fait Jésus. Judas trahit Jésus. C'est ça la trahison. Quand tu fais confiance à une personne, et puis la personne ne te demande pas ça, c'est ce qu'on appelle la trahison. Amen. On a aidé les gens ici. Il y a un petit bruteur, c'est ça qu'eux sont en train de chercher. Ils s'entendent avec le mystique là parce que moi je l'ai dénoncé jusqu'à. Je l'ai dénoncé. Parce que nous, depuis qu'on a passé à parler, nos bébés ne disparaissent plus. Parce qu'on a commencé à dénoncer la pratique. Ils n'ont plus les clients. Or, quand ils auront les clients, nos bébés vont disparaître. Ils vont les tuer pour chercher l'argent. C'est quoi ça? C'est que. Mais ça a troublé toute la nation. Oh, moi depuis 2000, j'ai commencé à dénoncer ça. C'est pas maintenant qu'ils dénoncent ça. Depuis 2000. Depuis 2000.
C'est dans quelle, dans quelle nation une église se tait? C'est la pratique de la sorcellerie. C'est la seule chose qui règne dans la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas parler de Jésus-Christ sans attaquer le royaume de Satan. Amen. Le métier est venu ici. Un bruteur, des grands bruteurs. On l'accepte, il ne dormait pas. Il ne dormait même pas. Il est frais. C'est quand il est arrivé ici, il a commencé à dormir. On a facilité les choses, tout ça. On a même prié pour lui. Il lance la vision. Je vois une vidéo aussi, le prophète Crasso. Il a commencé à dire, je suis allé le chercher. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé à Divo. Et puis un coup, il est venu à Divo. Et puis il a commencé à parler, il a raconté des bêtises. Oh, c'est ici. Lui-même sait ce qu'il m'a dit. Je l'ai reçu, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que moi, je pose des questions. Comment il a tué les gens, comment il a disparu les gens. Amen. J'ai toujours dit, il ne parle pas. Il reviendra ici. Ouais. Il reviendra ici. Quand les démons, il est chassé, il est ramené dans sa vie. Ils vont le troubler toute sa vie. Parce qu'on ne s'amuse pas à la grâce de Dieu. Il ne joue pas à la grâce de Dieu. Et moi, Dieu, tu ne fous pas un brutal, papa, non. Et c'est moi, il te connaît. Papa, non. Tu sais qui, moi, je fréquente la nuit? Les personnalités du pays, là. Vous savez qui? Quels sont ceux qui nous fréquentent? On ne peut pas dire non. Ils ont peur. Où est les grands, là? C'est la sorcellerie. Les sorciers, les fatigues. Le jour où tu as beaucoup d'argent, les sorciers d'attaquer. Donc nous, les personnalités nous fréquentent. Toi, petit brutin sale, je ne sais pas comment tu es tombé même dans le brutage là. Sorcier, mais le démon même là, il veut te manger. Et puis moi, j'ai venu prendre pour faire que non. C'est pas maintenant qu'on est sur le YouTube. C'est pour ça que j'ai peur, je me méfie. Quand vous me fréquentez, je me méfie de vous. Ça c'est clair. Parce que quand quelque chose t'arrive, il faut tirer une leçon de tout ça. Il faut tirer une leçon. Si la fête arrive, que tu ne prends pas une question de ça, tu es un lâche. Dieu permet les choses pour grandir dans la tête. Amen. Là, vous êtes là, je vous regarde. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a ce même cœur, mais la méfiance est créée. Je me méfie. Et celui qui en parle de moi, je t'aide parce que j'ai envie de t'aider, mais en même temps, il y a beaucoup de méfiance. Parce que tu peux sortir et te détruire. Or, moi, je suis prêt pour Satan. Je suis prêt à l'attaquer. Je suis prêt à dénoncer toutes les pratiques mystiques. Amen. Vous marchez avec quelqu'un, vous devez savoir ce qu'il pense. Si tu ne sais pas ça, c'est dangereux. Moi, je sais comment le voir les mystiques ou envoyer les gens ici en esplanade. Je suis comme du jour. Venez. Amen. C'est vous qui allez répartir avec les démons. Parce que les démons, là, j'ai parlé aux démons. Ils disent ceux qui viennent m'écrire les problèmes, vous les mangez. Vous les démons, là, rentrez dans leur corps et les détruisez. Vous ne savez pas quel mystère j'ai. C'est parce que j'ai l'amour. J'ai l'amour. Ah. Sinon, je peux détruire la vie d'une personne en traçant de ses ordres. Parce que je connais les noms des démons. C'est l'amour. Nous, on ne détruit pas la porte de la vie. C'est que celui qui s'amusait à moi, je le regarde. Le musique l'a commencé à parler, je le regarde. On va rentrer en 2016. Il dit, va me délivrer. Okay. Depuis quand tu as vu Satan délivrer Jésus? Au lieu de faire un bilan, Crasso a apporté quoi? Toi, tu as apporté quoi? Moi, il m'avait dit aux gens, venez en Côte d'Ivoire investir. Toi, tu dis, venez aller tuer mouton, cabri, restez là-bas. Mais toi, à moi, on n'est pas pareil. Je suis un agent de développement. C'est à cause de nous, aujourd'hui, les gens ont la force d'aller dans leur village. C'est ce qu'il dit aux gens. On a plus à faire de travail dans la nation. Si ton don que tu as, que tu dis, tu es un don, ça ne profite pas une nation, que ça ne profite toi seul, c'est satanique. C'est pour ça qu'on les appelle mystiques, parce que c'est des mystères, ils ne vont jamais vous montrer leurs secrets. Or, pour nous, on ne cache pas, on vous montre ce qu'il y a à faire pour réussir dans la vie. Parce que l'évangile, ça base la lumière, ça base la vie. C'est pas caché. Vous dites tout, on ne cache pas. Les gens ne savaient pas qu'on priait à 4 heures, c'est nous qui avons eu le secret de l'aurore. C'est depuis qu'on a commencé à suivre mes vidéos, ils ont compris l'aurore, c'est les secrets. Les gens peut-être disent ça, mais vous n'ont jamais dit ça, les pasteurs. Amen. Donc, les mystiques, c'est ce qui est caché. Oh, l'évangile, ça n'a pas de vérité. Celui qui marche avec toi peut savoir qui il est. C'est pour ça que moi, je ne vais pas confesser aux gens sans ça. Qui marche avec toi? C'est celui qui marche avec toi, là. Si tu ne le connais pas, celui qui va t'aider. L'œil du judas. Nous allons crever l'œil du judas. La seule chose, c'est de te séparer. Il n'y a pas de remède. Ce n'est pas une question d'aller prier pour lui. Il n'y a pas de remède. Amen.
nous sommes en train de traverser une année. Vous savez, voici encore un grand signe d'ingratitude. Quand vous aidez une personne, même la veille, elle dit vous l'aidez aujourd'hui, puis demain, je ne vous dis même pas merci. Mais là, si vous ne dites pas merci, comment ça vous méfiez la personne? Non, parce que vous avez besoin de ça, hein? Mais ça dit, il ne trouve pas d'intérêt à vous dire merci. Donc ça dit, il n'apprécie pas le cadeau. Ça dit que c'est comme ça, il était illégal. Comment ça te méfie de lui? Mais c'est 1000 francs. Il faut aller le geste. Tu n'es pas obligé. Es-tu obligé? Je ne suis pas obligé de lui donner ça. Ce n'est pas une obligation. Je ne suis pas obligé de donner 1000 francs. Mais quand je donne les 1000 francs, c'est parce que c'est par amour. Mais toi, tu me donnes quoi en retour? Même merci, tu ne fais pas. Une semaine, deux semaines. C'est pas important. Ils sont en train d'ouvrir les yeux. C'est beaucoup de choses que vous avez négligées. Ils sont là dans vos vies pour détruire. Or, la Bible dit dans Luc, dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que. C'est-à-dire, il vient, il est comme un voleur. Or, un voleur, il se cache. N'est-ce pas? Il ne vient que. Hein? Dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Si tu le mets dans ta vie, et puis fais tes trois choses. Amen. Moi, il m'en fiche. Tu es mon parent. On est mes pères, mes mères. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses de moi? Non, c'est-à-dire, on a même maman, même papa. Et puis quoi? C'est toi qui as me mangé. C'est quoi? Même papa, maman, chacun est né. C'est Dieu qui nous a envoyé sur la terre ici. C'est pas Dieu a trouvé bon qu'on soit même père, même mère. C'est tout. Hein? C'est dans chacun a une mission sur la terre. Si tu ne penses pas bien de moi, je ne me sépare de toi. Jésus n'a jamais dit aller ça. Il dit celui, et j'ai une pierre, ton bras gauche est pour toi une occasion de chute. Il faut couper ça. Il n'a pas dit il faut rester ça. Il faut couper. Il n'a pas dit de soigner. Il dit quoi? Le principe biblique. Lui n'a pas coupé pour lui. Pour lui n'a pas tué. Pour lui l'a vendu moins cher. Amen. Faites très attention. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous voyez comment il apprécie la précision. C'est rien. Mais la valeur, c'est-à-dire, les gens pensent que tu es obligé. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Je vous donne un exemple. J'ai un coiffeur, donc je viens à Abidjan. Je le loue dans son atelier parce que j'ai l'habitude de coiffer. Et il m'envoie un message, il dit, viens, je suis moisien. Il dit, ok, quand je suis venu là, il dit, tu sais, je suis venu me coiffer. Quand tu m'envoies un message pour dire que je suis moisien, viens chercher de quoi. Et là, il me dit, viens pas chercher de quoi parce que j'ai l'impression. J'ai venu voir quelqu'un puis dépenser. Qui l'a dépensé? Il faut savoir parler aux gens. Il s'est excusé. Il faut savoir parler aux gens. Tu connais pas mon programme, mon argent. Il n'y a qu'à venir prendre et puis te donner. Et je suis malade ou bien? Et c'est comme ça les Africains. Et parce que c'est une prise en charge, les amitiés, les relations, ils voient ça en prise en charge. Il lui a donné un first prix, il lui a donné 10 000. Le lendemain, il m'a pas envoyé un message. Même pour dire merci. Oh, il a envoyé un message pour dire les moisis. Oh, il n'y a pas eu de message pour dire merci. Donc j'ai compris. Faites très attention à ce qui marche. Le jour où il a commencé à avoir le discernement, c'est le plus grand des vrais. Le jour où il a avoir le discernement, il est devenu grand. Parce que le grand don, ce n'est pas parler, oh, chasser, mais bon, c'est le discernement. Celui qui en passe de moi, qui il est, c'est celui qui nous a. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Vous ne vous frottez pas comme ça aux gens. Dès que la personne a rentré dans ta vie, vous venez aux gens comme ça. Ça va. Tu habites où? J'aime ta tête. Hein? Alors, tu en es bien. Hein? Dieu, vous, tu habites où? Je suis chez, à côté de mon nom avec la boule. Le portail dès que là, il y a un gars qui fait cabine. Le matin, tu le vois. Ça va? Il y a quoi? Oh, comme tu j'aime ta tête. Ah, aussi, les gens tiens. Tu sais, pourquoi tu gênes? Tu es assis. Monsieur, le président, c'est juste une causer. Causer. Et c'est ça qui nous tue. Vous voulez causer comme ça, la vie, on avance. Blanc, ça ne soit pas pour causer. Il t'a causé moi. Pourquoi? Mais pourquoi t'as causé moi? Il m'assoit, tu es causé toi. Mais c'est ça le problème de nous. On ne prend rien au sérieux. On est là, on veut causer, puis tu es assis dehors. Mais monsieur, c'est déplacé. Vous venez me voir. Ça ne veut rien dire. Il s'est déplacé, il m'a demandé quoi?
causerie. C'est ça qui est quelque chose. Non, j'ai l'argent. Ah, mais causerie. T'as dit, chez qui? Ça a commencé, information. Il m'a demandé. Forcé, il m'a demandé. Monsieur, tu fais quel travail? Non, je travaille. C'est bien. C'est pour ça que tu es propre. Je veux que tu sois mon camarade. Lui, il a vu intérêt. Ah, il a vu. Que s'il vient, là, tu dis, va manger. Oh, merci, tout gentil. Tu commandes quoi? Monsieur, donnez-moi trois poissons de 500, après à quelqu'un 200. Tu as vu le monsieur, tu vois comment. Oh, toi, tu as commandé un poisson de 200 à quelqu'un 50 francs. Lui, déjà, il te fait dépenser 2000 francs. Il mange, il voit son dos glacé. Il a trouvé au point où il doit déjeuner. Je l'aime très prudent. Moi, j'essaie dans la salle ici, j'essaie. Moi, je ne vais pas me faire. Il y a un bouteille, il y a un. Je connais beaucoup de choses, mais je m'en vais. Amen. Mon don, c'est pour aider les gens. C'est quand tu as rentré dans mes 6 mètres, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer qui je suis. Soyez très prudent. On a commencé à déranger le royaume de la sorcellerie. Ils ont commencé à s'exhiber. Parce que quand tu les touches, ils s'exhibent. Or, notre ministère, c'est d'aider les gens. Il faut respecter l'être humain et les sacrés. Celui qui a touché un être humain, il payera certains jours. L'homme est tout sacré. Dès qu'on assis dans cette nation, nos bébés, nos enfants disparaissent sans tête. Parce que les gens veulent l'argent rapide. Ils vont tisser les pannes. Mais prenez vos sang. Votre sang est là. Allez donner vos sang à Satan. Vous savez comment on met un enfant au monde? Que Dieu nous aide. Amen. Répiez-vous des fréquentations. Ils ont commencé à m'attaquer sur le Facebook, Moi, je m'en fiche. Tous les gros, je suis là pour vous attaquer. Vous êtes dans l'erreur, je vous dénonce, je vous attaque. Parce que je n'ai pas peur de vous. C'est mon ministère, chacun son travail. Chacun son travail. Amen. Amen. Le jour où vous allez toucher un enfant dans cette nation, vous aurez des problèmes avec le Saint-Esprit. Il faut que ça s'arrête. Une nation où le sang verse. Le pays finit par être un jour à cendre. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Le sang de ton frère crie vengeance, vengeance. Quand vous versez le sang de quelqu'un, son âme crie vengeance, vengeance. Plusieurs vengeances, vous comprenez? Le pays serait en sang et en cendre. C'est pour ça que méfiez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que Dieu nous aide. Amen. L'œil de Judas. Nous allons nous tenir debout. Et prier pour que Dieu nous donne le discernement. Vous savez, quelqu'un, il faut savoir qui il est. Vous venez au centre ici, vous causez tout le monde, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais méfiez-vous. Ah, mais si, méfiez-vous. Vous allez venir ici là, c'est pour chacun venir prier. Pas pour venir causer. Chercher causerie, cadeau. Non, non, vous allez venir prier. C'est pour prier, c'est pas venir distraire. Faut pas que quelqu'un va venir te distraire. Si vous causez, c'est dehors. Évitez les choses. Vous venez ici là, c'est pour la prière. Celui qui ne rentre pas dans cette vision de t'aider dans la prière, il ne faut même pas écouter ce qu'il dit. C'est pas la prière qu'il dit. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne le discernement. Amen. Sur l'œil de Judas. Celui à qui tu marches, tu dois savoir qui il est. Véritablement, amen. Prions ensemble le Seigneur. Tout le monde, nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions.
te bénis ton nom ce soir pour ce que tu as fait. C'est vrai que étant à table avec ses disciples, Jésus a dit à un de vous qui va me livrer.